Vous, vous avez le petit gros Lorrain. C'est tout simplement le petit frère du gros Lorrain. C'est un fromage oublié, c'est-à-dire c'est un fromage qui n'existait plus depuis les années 1920-1925. Ce fromage, notre grand-mère l'affinait. Elle allait chercher dans les fermes vosgiennes et l'affinait dans ses caves. Et un jour, avec mes frères, on a retrouvé la recette d'affinage. On a retrouvé un vieux moule et la recette d'affinage. Ça fait maintenant 5-6 ans. On a été voir tous les producteurs, un par un, pour essayer de retrouver un producteur qui veut bien nous refaire ce fromage oublié. Et on en a trouvé un. Et nous l'affinons entre autres à l'alcool de Mirabelle et liqueur de Mirabelle. Mirabelle de Lorraine, je précise, hein, beaucoup plus sucrée que la Mirabelle classique que nous pouvons trouver en France ou ailleurs. Alors, vous pouvez le constater, donc c'est un crayeux fondant. Hein, on voit bien cette consistance, si vous voulez. Et par contre, le grain est très très fin, excessivement fin. Vous voyez, pour un fromage de vache comme celui-ci, on va aussi l'appeler fromage de famille, puisque c'est un fromage qui servait autrefois à nourrir les enfants. C'est un fromage qui fond sous la bouche. Et vous avez toute cette explosion d'arômes, hein, les mirabelles qui ressortent, le fruit est très très intéressant avec une petite pointe d'acidité derrière. Alors au niveau des vins, un Gewürztraminer, tout simplement. Un bon Gewürztraminer.